Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level One. Aujourd'hui, on va tester un jeu qui s'appelle Mulan. C'est tiré du dessin animé. Oh, regardez, un beau petit dragon. Il s'appelle Mushu, je crois, dans le film. J'ai pas vu le film d'ailleurs, mais en tout cas, le jeu donne une idée du film. Ça a l'air sympa. Je vais peut-être finir par aller le voir. Ils ont sorti Tarzan il y a pas longtemps. On a d'ailleurs vu le jeu ensemble et c'était pas mal. Là, Mulan, c'est vraiment dans un autre genre complètement différent. C'est pas du tout du jeu de plateforme comme l'était. Comme pouvait l'être Tarzan, c'est un petit truc un peu de, comment dire, d'initiation aux jeux vidéo, en tout cas aux trucs multimédia. Donc c'est pas mal. Allez, tout de suite, je commence et on va y aller. Donc on va se promener avec Mulan, dans l'univers de Mulan, on va l'habiller, on va lui faire prendre un bain, faire ce genre de choses. Il y a des petites énigmes, plein de trucs. Alors tout de suite. Si tu l'as déjà vu sur la liste, clique dessus. Alors là, comme je débute, il faut que je mette mon nom. Alors on va mettre Marcus, tout simplement. Ah, c'est un N, ça, j'ai un petit problème de vue. Il va falloir que j'aille faire un tour chez l'ophtalmo. Alors, Marcus, on a dit, donc un M, un A, ensuite une canne, un pont, R, voilà, ça doit être comme ça, une petite demi-boucle, c'est là, c'est un que. Donc vous voyez, c'est vraiment pour les tout-petits, hein. Normalement, je suis trop grand pour jouer à ça, mais bon, c'était sympa, puis de temps en temps, ça fait du bien dans les level 1 de faire autre chose que du jeu vidéo pur et dur. Là, c'est pratiquement, je vous l'ai dit, une initiation. Ah, oui, c'est moi. C'est une initiation à la manette, à la PlayStation, etc. Donc c'est tout simple, t'as pas besoin d'avoir des réflexes, ou alors rarement. C'est une succession de petits jeux, vous allez voir qu'il y a un Mahjong, plein de petits trucs, des petites énigmes, des objets à trouver, il faut cliquer sur l'écran pour aller choper des trucs. Donc vraiment, c'est destiné aux plus petits. Et puis voilà, il y a le petit personnage du dragon qui s'appelle Mushu, qui est sympa comme tout. Tu n'as qu'un mot à dire. Silence. Sur ces parchemins magiques, j'ai raconté la légende de Mulan. Emporte-les à la cité impériale et remets-les à l'empereur. Alors vous allez voir que Mushu est un peu maladroit parce qu'il va en fait renverser les petits parchemins. Et le but du jeu, ça va être d'aller dans tous les endroits qu'on voit derrière Mushu et d'aller à chaque fois récupérer les parchemins pour essayer de les retrouver. J'espère bien. Menteur. Ils sont plus précieux que ta vie, Mushu. Ne les fais pas tomber, Mushu. Je crois que c'est José Garcia qui faisait la voix en français de Mushu dans le film. Là, apparemment, c'est un autre doubleur. Il se débrouille pas mal quand même. Et voilà, il nous a fait tomber les parchemins partout. Bon allez, je passe un peu la séquence d'intro, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc vous allez voir, on clique partout, on fait plein de petits trucs, c'est assez rigolo. Le défaut, c'est que c'est pas toujours jouable et on comprend pas toujours vraiment ce qu'il faut faire. Donc pour un truc qui est censé être fait pour les tout-petits, j'allais dire les mômes, on va les appeler comme ça, c'est un peu dommage parce qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées. Et il vaut mieux qu'il y ait un adulte à côté d'eux pour leur faire voir exactement ce qu'il faut faire et les aider un petit peu. Et même en tant qu'adulte, des fois, on est un peu paumé. Donc là, par exemple, il faut que je trouve le parchemin. Il faut que je trouve le parchemin dans l'image. Bon, c'est tout bête, hein. Là, il est pas tellement bien caché. Il est juste là. Alors, on va l'ouvrir. On va voir ce qu'il y a dedans. Ça va commencer à nous raconter l'histoire de Mulan. Raconte ce parchemin. Oh, magie. Alors là, il y a une voix qui va nous le lire. Longtemps, dans la Chine ancienne, vivait une jeune fille appelée Fa Mulan. Donc vous voyez, là, il y a un mot qui est encadré. Je passe un oh peu. Non, je... ça ne dit pas ce qui s'est passé au village. Mais on va trouver, mon grand, t'inquiète regarde, pas. C'est bon décoloré. Il manque une partie de l'histoire. Alors on peut changer. Elle est tombée quand le. Tais-toi, s'il te plaît, Mushu. J'aurais pu le faire taire, l'animal. Tu vas la fermer, oui. Ah, ils sont pénibles ces dragons, hein. Infernal. Alors regardez ce mot-là, par exemple, je peux changer pour avoir des synonymes. Donc c'est éducatif un petit peu. Allez, on va changer. Étonnant. Si j'ai appuyé trop vite, ça fait un remix. Voilà, on peut faire du rap, hein. S'ils sont plus âgés, vous pouvez faire du rap. Mais normalement, voilà, on choisit d'autres mots. Par exemple, en impressionnant sa famille. Émerveillant. En émerveillant sa famille, c'est un synonyme, vous voyez. Donc on apprend des petits trucs comme ça. C'est encore le truc le plus intellectuel du jeu. Mais vous allez voir qu'il y a plein de petits trucs à faire. Alors, Mulan va arriver. Mulan, je ne sais pas comment on prononce. C'est une charmante jeune fille, en tout cas. Une épouse parfaite. Donc, c'est plutôt fait pour les filles aussi, pour les petites filles. Puisque elles, je pense qu'elles vont retrouver Mulan. On va pouvoir l'habiller, la déshabiller. Même ça, c'est pour les petits garçons. Déjà, on va voir tout de suite. On va lui faire prendre un bain, les gars. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Écoutez-la. Je dois prendre un bain et m'habiller. Voilà, parce que c'est une jeune fille très propre. Donc regardez, ça tombe bien, il y a un bain là. Alors on va cliquer là, tout simplement, elle va y aller. Ça c'est le petit chat qui a un peu peur, j'ai cliqué au-dessus. Voilà, va prendre ton bain, Mulan. Alors vous voyez, j'ai cliqué un millimètre trop bas, et en fait j'ai touché le chat, alors que normalement j'aurais dû toucher Mulan. Ah ouais, elle est un peu froide. Il y a 10 minutes, c'était chaud.
C'est ça, j'ai été lent peut-être, c'est ça qu'elle essaie d'insinuer. Donc voilà, elle est dans son bain, alors on peut la frotter un petit peu, donc c'est sympathique comme tout. Regardez, il y a une petite éponge, je prends l'éponge, alors le curseur se transforme en main. Sur Mulan ou sur le chat ? Je préfère Mulan, tant qu'à faire, on va voir. Voilà, je clique et elle va se frotter. Oh, salut ! Elle aime bien apparemment, ça lui fait plaisir. On va prendre l'autre, je ne sais pas si c'est assez mal dessiné pour du Walt Disney, on ne sait pas si c'est du savon ou du parfum peut-être, c'est du parfum. Et voilà, elle ricane bêtement, ça c'est les filles ça. On va foutre un coup d'éponge sur le chat peut-être, pour voir si lui il aime qu'on le nettoie. Non, vous voyez, il aime pas trop. Donc voilà, allez, on va faire sortir Mulan. Donc je vais recliquer sur Mulan, pour la faire aller dehors. Alors regardez à quelle vitesse elle est capable de se déshabiller, c'est phénoménal. Enfin, de se rhabiller plutôt. Elle est encore dans son bain, allez, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire, voilà. Frotte un peu les pieds, tout ça. Chaque fois que je clique, il se repasse quelque chose de nouveau. Ah, la rose de chat. Alors, je me suis trompé, il ne faut pas que je clique là, peut-être. Il faut peut-être que je clique dehors. Ah bah oui, je vais cliquer bêtement sur une direction. Donc là, par exemple, c'est chez l'habilleuse. La couturière. Si tu es prêt à te rendre chez la couturière, clique ici de nouveau. C'est un peu Muppet Show. Les cochons dans l'espace. On est un peu la voix de Jean Reno, je trouve. Mais je crois pas que ce soit lui, en fait. Donc, vous voyez, là, je clique, elle va aller. Regardez à quelle vitesse elle se rhabille. Attention, 2, 3, pop, c'est fait. Elle pourrait travailler avec David Copperfield, je crois qu'il n'y aurait aucun souci, elle pourrait faire des tours de magie. Donc là, on va aller chez la couturière et on va habiller Mulan, comme si c'était une poupée Barbie. Vous allez voir qu'il y a plein de petits vêtements différents, il y a même le dragon qui est dans le coin et on peut habiller le dragon aussi, donc c'est pas mal. Bienvenue à la boutique de la couturière. Mulan Merci. A besoin de ton aide pour s'habiller avant d'aller chez la dame marieuse. Donc il y a toujours une voix qui vous explique à chaque fois ce qu'il faut faire exactement. On vous montre, vous voyez, ça s'allume un peu, ça s'affiche en encadré pour qu'on sache ce qu'on doit faire. Et puis bon, on peut passer les explications quand on les connaît déjà. Alors, bah voilà, regardez par exemple, on va. Moi j'ai très mauvais goût pour habiller les filles. On va essayer de trouver des trucs. Oh, des bottes jaunes, voilà, ça va être très joli. On va essayer. Si on peut l'habiller en majorette, ça me ferait très plaisir. Voilà, des bottes jaunes avec un truc qui ne va pas du tout avec. Vous voyez qu'il y a plusieurs kimonos, différentes robes. Il n'y a pas de truc de guerre. On trouvera son armure un peu plus loin. Oh, c'est tout. Alors, on va lui mettre une robe orange pour aller avec des bottes jaunes. Je sais que ça ferait hurler des filles. Ça, les couleurs ne vont sûrement pas du tout ensemble. Et puis, il faudrait un petit haut un peu différent. On va lui mettre un haut, par exemple. Ah, j'aimais bien le haut bleu ciel. C'était très joli. Voilà, donc je prends le haut bleu ciel et je lui mets tout simplement. Et une perruque. Bah, celle-là est bien. Tiens, on va la mettre au dragon pour voir si ça marche. Et on peut faire des petites âneries comme ça. Oh, bah, ça lui va très bien. Une petite robe bleue peut-être aussi pour le dragon. Vous voyez, automatiquement, elle change de taille, la robe. Donc, bah, c'est très bien. On peut habiller le dragon aussi. Voilà. Très beau ce dragon. Et puis alors il y a différents accessoires, ça c'est un petit clin d'œil à Aladdin, vous savez c'est la canne du méchant, Jafar. Donc on peut les mettre dans la main. Je crois qu'il y a d'autres choses, il y a un éventail il me semble aussi. Voilà, un très joli éventail. Donc vous l'habillez comme vous voulez, voilà, c'est très joli. Et puis ensuite on ressort dehors. Ceci te reconduira au village. Voilà, on m'explique. Si tu es sûr de vouloir y retourner, alors clique de nouveau. Oui, je suis sûr, je vais y aller, allons-y. Bonjour Marie-Laure. Je t'ai préparé ta robe. Ah voilà, très bien. Allez, sortons. Voilà, sortons de là. Alors vous avez vu comment elle est habillée? Vous allez voir que maintenant elle n'est plus du tout habillée comme je l'habillais. C'est un des petits reproches que je ferai au jeu, c'est qu'on se donne du mal à l'habiller. Donc vous avez vu, j'ai mis des très belles bottes jaunes et tout ça. Un haut que j'avais fait bleu ciel. Et regardez, elle est habillée toujours pareil. Quoi que vous ayez choisi comme vêtements, elle se retrouve avec ceux-là, qui sont ceux qui étaient prévus. Alors bon, un peu dommage, je trouve un peu décevant. Il faut qu'on aide cette grand-mère, je crois qu'elle a un problème. On va voir ça tout de suite. Je suis assez débordée. Peux-tu m'aider à trouver des porte-bonheur pour Mulan? Mais pas de problème. J'ai besoin d'une pomme pour la sérénité, d'un pendentif pour l'équilibre, de perles de jade pour la beauté et d'un criquet pour la chance. Tu veux pas qu'on te fasse tes courses non plus? Oh, les vieux, hein, ils sont terribles. Non, je me moque, c'est pas gentil. Alors regardez, voilà, il y a des objets, il faut leur donner. Elle voulait un criquet, alors on va cliquer. Cliquons sur le criquet. Oh, catastrophe, maintenant il y a des criquets partout. C'est pas grave, puisqu'elle a envie d'en manger un, on va lui en donner un. Donc je prends simplement. Non, j'ai besoin du collier de jade jaune. Je suis sûr qu'elle est difficile. Je lui donne un criquet. Ah, elle veut un collier de jade jaune. Alors donnons-lui d'abord un collier de jade. Les criquets, c'est pour le dessert peut-être, je sais pas. On va lui donner, voilà. C'est exactement ce que je voulais. Eh ben voilà, il lui en faut pas. Les criquets sont bons pour la chance. Ah. Il m'en faut un pour Mulan. Alors lequel tu veux? Elle précise pas à chaque fois. Donc on va en prendre un au hasard. Non, je veux le criquet marron.
Le criquet marron. Pas facile, facile. Alors, le criquet marron, on dirait que c'est celui-là, non? On voit pas bien. On voit bien les couleurs. C'est exactement ce que je voulais. Ah, super. Donc maintenant, elle va vouloir un collier, sans doute. Je suis occupée. J'ai besoin d'une pomme de cérémonie. Ah, une pomme. Bon, d'accord. Tu veux quoi? Une pomme verte? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? On va lui donner la verte, on va voir si ça lui plaît. Non, c'est la pomme jaune que j'attends. Elle est belle tentative, mais mauvaise pomme. Donc vous voyez, il y a une petite consigne toute simple à appliquer. Alors évidemment, en tant qu'adulte, on trouve ça un peu pénible. Mais pour un enfant qui n'a jamais utilisé une manette de sa vie, voilà, il apprend à cliquer, à aller piocher, aller chercher des objets, tout ça. Donc c'est un peu éducatif. Je suis occupée à me battre. Je veux que tu trouves un pendentif pour l'équilibre de mu... D'accord, j'appuie sur le triangle, là, ça permet de la faire taire un petit peu. Le rouge, ça te ferait plaisir? On va savoir ça tout de suite. J'ai besoin du pendentif noir et blanc. Pour le pendentif, c'est gagné. Je me demande si elle ne le fait pas exprès, en fait. J'aurais pris le noir et blanc, elle aurait voulu le rouge. Hein. Tiens, allez, voilà. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Voilà, donc maintenant, tu veux quoi d'autre encore? Très bien, tu as réuni tous les porte-bonheurs. Merci, mon gars. Donc, j'ai tous les porte-bonheurs, bah, on va lui donner, on va les donner à Mulan. Je clique Mulan sur la vieille dame. A besoin de toutes ses chances. Il me faut une pomme pour la sérénité. Ah non, tu l'as déjà eu la pomme. C'est pas vrai. Bon, cliquons sur Mulan, ça va peut-être aller un peu mieux. Je crois que je suis prête pour la dame marieuse. Ah bon, d'accord. Donc bon, on va considérer, en fait, la dame lui a donné ses pendentifs. Alors je vais essayer de rentrer. Nous ne pouvons pas laisser Mulan aller chez la dame marieuse sans ses porte-bonheur. Prends ceux de grand-mère et donne-les à Mulan. Donc vous voyez, là, j'ai cliqué sur la petite cabane qu'il y a derrière ma grosse tête pour rentrer dedans et on me dit, il le faut les porte-bonheur. Donc on les prend dans la main de la vieille dame. J'ai voulu un peu mettre la charrue avant les bœufs. Donc je lui donne, voilà, je lui donne les porte-bonheur. Et maintenant, elle va pouvoir aller chez la marieuse. Regardez, c'est cette dame. Verse le thé, Mulan. Oui, dame marieuse. Oh, bah, elle est pas douée. Tu as peut-être l'air d'une mariée, mais jamais tu n'apporteras l'honneur à ta famille. Jamais. C'est pas très sympa. Bon, bah là, en tout cas, j'ai fait à peu près tout ce qu'il y avait à faire dans ce décor, donc je vais pouvoir changer un petit peu. On va aller dans le fond, vous voyez, il y a une espèce de pagode à l'horizon. Comment ça s'appelle? Donc on va y aller, on va aller voir là-haut. Ceci te conduira à la maison de Mulan. Ah ouais, clique de nouveau si tu veux y aller. Mais je veux y aller, voilà. Maintenant que nous lui avons rendu sa magie, nous pouvons l'emporter. Donc là, j'ai résolu tous les problèmes qu'il y avait à résoudre dans cet écran-là. Donc voilà, j'ai mon petit parchemin. Donc je vais aller essayer de trouver un autre parchemin un peu plus loin. Donc il y a plein de petits jeux, il y a même un karaoké, c'est rigolo, avec les paroles des chansons qui s'affichent, puis vous pouvez chanter en chœur. Donc vraiment, c'est très basique, c'est vraiment pour les tout jeunes enfants. Là, il y a un petit dragon qui est là, c'est Mushu, mais il y a un petit chien normalement qui va venir m'embêter, si je me souviens bien. Ah, bravo, coincé dans un arbre. Alors là, par exemple, le parchemin est coincé dans un arbre, vous voyez que ça se complique un petit peu. Donc on va essayer de trouver un système pour décrocher le parchemin de l'arbre. Hop, je vais prendre par exemple cette petite babale. Et je vais la jeter sur le parchemin pour essayer de le faire tomber. Ouais, ça marcherait. Ah, voilà le clébard dont je vous parlais. Donc en plus, il me donne le parchemin, c'est parfait. Voilà. Donc on va voir ce qu'il y a sur le parchemin. Bon, là, on s'en fout un peu, on va passer un peu plus vite. Le père. Voilà, je lui coupe la chic à ce petit bonhomme. Là encore, le coup des synonymes. Hein. Affronter, repousser, combattre. Voilà, il y a plein de synonymes de combattre. Affronter. Latter, filer une torgnole, coller des bourre-pifs, ils les ont pas mis, mais vous pouvez les rajouter vous-même. Alors ensuite, regardez la petite armoire à côté de moi, c'est là où il y a l'armure de Mulan. Donc, on va partir à la guerre, on va aller chercher notre armure. Et pour ouvrir la porte, en fait, il faut... Voilà l'endroit où la famille de Mulan garde l'armure. Pour ouvrir l'armoire, clique sur le panneau jusqu'à ce que tu vois un animal du zodiaque chinois. Et voilà. Bonne chance. Donc, il suffit que je clique pour essayer de redessiner un animal. Donc, il y a les couleurs qui m'aident. Regardez les couleurs de fond, par exemple, on va tout mettre en rouge. Et ça va finir par faire apparaître un animal du zodiaque chinois. Ah, il manque le rouge, qu'est-ce qui se passe? Ou alors c'est moi qui suis devenu daltonien tout à coup. Ah bon, bah on va essayer de reconstituer comme ça, sans les couleurs. Bon, c'est pas facile, surtout que je vois pas trop ce que ça peut être comme animal. Ouais, on va essayer mon plan du rouge, là, ça a l'air de marcher. Ou c'est peut-être une chèvre. Oui, on dirait bien. Ah, il manque un bout de cette chèvre, qu'est-ce qui se passe? Avec ça, mais alors j'y crois pas trop, pas du tout même. Il manque un petit bout.
Comment ça se fait, ça? Eh ben, en répétition, c'est pas comme ça, je vous le dis. Donc, il y a sûrement un truc à trouver. Je ne sais pas quoi. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Encore un petit effort. Ah, peut-être qu'à la maison, j'avais joué en mode facile ou un truc comme ça, lâchement, et que là, c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être une chèvre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, j'arrive pas à trouver. Bon, tant pis, on verra pas l'armure. Ce qu'on va faire, regardez, il y a son petit sac. On peut essayer de lui faire son sac pour qu'elle parte à la guerre. Voilà, le sac se déplie. Donc, il faut prendre ses affaires et les remettre dans le sac. Le problème, c'est que le petit chien... Oh non, petit frère essaie de se rendre utile, mais il ne met pas les bons objets dans la sacoche de Mulan. Voilà, vous voyez, il nous met le boxon dans notre petite sacoche. Donc, je prends les affaires de Mulan, ses petits chaussons, tout ça, je vais les ranger. Mais le chien, vous voyez, il me met des trucs à la place. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver une astuce. Non, nous n'avons vraiment pas besoin. Et l'astuce, c'est de prendre la balle et de l'acheter au loin. Vite, remplis la sacoche pendant que petit frère est occupé. Ouais, vite, profitons-en. Donc, je vais virer l'espèce de bout de bois. Les jouets de petit frère sont à leur place dans la cour. Voilà, donc on les jette rageusement dehors. Et à la place, on va pouvoir... Excuse-moi, pourquoi retires-tu ça de mais la non, sacoche? Mais non, c'est une fausse manip, ne m'engueule pas non plus. Voilà, je lui fais vite sa petite valise. Ah, vite, le sandwich là, où je sais pas ce que c'est. Alors, c'est censé être chez Disney, mais alors je trouve que c'est très mal dessiné. Il y a des trucs, on sait même pas ce que c'est. Ça, c'est sûrement des ciseaux, je sais pas, des moufles pour aller à la guerre. Des fois, c'est utile. Ah, attention, revenez le clébard. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et voilà, Emma, c'est terrible, les petits chiens comme ça. Vite, remplis la sacoche pendant que petit frère est occupé. Et en plus, il m'a mis de la bave de chien sur mon truc. On va vite finir la sacoche et on va aller voir un autre décor. Voilà, j'ai presque fini mes devoirs, j'ai presque fini ma petite valise. Quoi, il veut pas des moufles. Et pourquoi tu veux pas des moufles? Ah, quand même, c'est que je les avais mal positionnés, peut-être. Bravo, tu as rempli cette sacoche pour Mulan. Ah, super. Donc, vous voyez, vraiment, c'est très basique. Hein, c'est des petits jeux basiques. Je pense que les adultes vont s'ennuyer un peu. Mais voilà, vous faites ça avec avec vos enfants à côté de vous. Ça peut être sympa. Renvoie le chien. Est-ce que je vais arriver à finir cette armoire? Parce que je trouve que c'est quand même bizarre, ce puzzle que j'arrive pas à faire. J'ai dû oublier un truc et je n'arrive pas à voir quoi. Je sais pas. On verra un autre jour. Bon, on va voir juste un petit décor dans le fond pour changer. Voilà, allez, tiens. Veux-tu visiter le temple? Ah oui, c'est le tombeau des ancêtres. Donc, il faut les réveiller en tapant sur des gongs. Quand vous tapez sur un gong, ça fait apparaître deux ancêtres. Un autre gong, ça en fait disparaître deux autres. Donc, il faut essayer d'arriver à réveiller tout le monde pour pouvoir continuer l'aventure. Je vais passer des détails. Je vais tout de suite taper sur les gongs pour faire venir les ancêtres. Ça va être rigolo. On essaie celui-là, par exemple. Ça marche pas. Ah oui, il faut que je prenne le... Oh, je suis bête. Il faut que je prenne le truc du... Peut-être le gong. Quoi, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Si tu veux vraiment recommencer le jeu. Alors, recommençons. Mais... Ah, faut peut-être que je prenne le petit tap-gong, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est pas ce que je n'avais pas pris. D'accord, voilà ce que tu vas faire. Il faut que tu réveilles les ancêtres en faisant sonner les gongs. Mais fais attention, certains gongs vont les rendormir. Alors fonce! Bon allez, juste, on va vite se faire apparaître un petit ancêtre pour la route. Et puis, je vais vous laisser là. Je vais continuer à jouer à Mulan, tout seul. Il faudrait des enfants pour jouer à Mulan. Ah, voilà des ancêtres. Non, ça n'a pas marché. Je vais essayer un autre gong, alors, par exemple celui-là. Ouais! Ah, ben ils ont l'air sympas, en plus, ça tombe bien. Voilà, on va essayer. Encore le gong à réveiller ses ancêtres. On va essayer un autre gong pour voir. Ouais. Ouais, rien du tout. Oui, je croyais que ça allait faire apparaître un ancêtre. En fait, non. Ah, voilà. Là, on va enfin avoir du monde. Voilà, bon, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter avec ces sympathiques ancêtres. Regardez comme ils sont beaux. Un peu translucides. C'était Mulan sur PlayStation pour les plus petits. Vous aurez vu ce que ça donnait. Vous pourrez juger de vous-même. Voilà, c'était Level 1 avec Marcus et Mulan. On se retrouve pour un prochain Level 1. Ciao.